Salut les dinos, aujourd'hui je vous propose un nouveau format de vidéo puisqu'on va maintenant s'attaquer à différentes expériences scientifiques, connues ou pas. On attaque aujourd'hui avec une première expérience. Dans les années 70, Paul Lauterbur et Peter Mansfield proposent au monde de nouvelles découvertes majeures. Des imageries utilisant le phénomène de résonance magnétique nucléaire pour photographier les tissus du corps humain. Raymond Damadian, en 1977, sera d'ailleurs le premier à réaliser l'imagerie d'un corps humain vivant avant de démarrer la construction des premiers appareils commerciaux destinés à des fins médicales. Cela donnera naissance à l'IRM qu'on connaît aujourd'hui, qui permet d'explorer le cerveau ou autre partie du corps humain pour y déceler d'éventuelles pathologies. Mais révolutionner la science a souvent un prix. Et si on connaît très bien les travaux de ces scientifiques, on connaît en revanche moins les travaux de leurs prédécesseurs. Je vous en ai parlé, l'IRM se base sur la résonance magnétique nucléaire, phénomène décrit en 1946 par Félix Bloch et Edward Purcell. Et si vous vous rappelez bien de vos cours d'histoire, cela doit vous évoquer deux mots, guerre et froide, ou union et soviétique. Dans tous les cas, vous êtes en plein dedans. Voyageons donc au sein de la Biélorussie, une ancienne république appartenant à l'Union soviétique. En 1953, alors que l'URSS dévoile le complot des blouses blanches, ou l'affaire des médecins, Daniil Prosov, lui-même médecin, se réfugie dans l'ancienne Biélorussie pour échapper aux joug de la police stalinienne. Il est hébergé par son frère Vassili, ingénieur en physique nucléaire. Voilà plusieurs années qu'il est obsédé par un rêve, l'idée d'arriver à guérir les traumatismes cérébraux infantiles par le biais d'impulsions magnétiques sur le cuir chevelu. En traversant la boîte crânienne, ces stimulations pourraient interagir avec les neurones et modifier leur activité électrique. C'est l'ancêtre de la stimulation magnétique transcrânienne, développée pour le domaine médical à partir de 1985 par l'équipe d'Anthony Barker de l'université de Sheffield. Mais en 1953, la méthode n'existe pas encore. Et c'est justement suite à la découverte de ce phénomène si particulier de la résonance magnétique nucléaire que Prosov va pouvoir commencer à imaginer son premier appareil. Son rêve est peut-être bien sur le point de se réaliser. Épaulé par son frère, Vassili, qui possède les connaissances nécessaires en ingénierie nucléaire, il va pouvoir assembler les pièces nécessaires à la mise en place de son étude, ma foi, très peu éthique. Alors, tu prends ça, tu mets à côté ça. Expérience prête. Da. En 1956, Prosov est prêt à lancer ses premiers essais. Il sélectionne alors ses cobayes, disons que volontaire n'est pas le mot le plus adapté, dans des hôpitaux de la région. L'horreur va alors s'abattre sur des enfants victimes d'accidents de la route, des enfants souffrant d'autisme ou encore traumatisés par l'horreur de la guerre. Dans ses mémoires, rédigées en 1973 et gardées secrètes jusqu'en 2013, Prosov se proclame ainsi grand guérisseur révolutionnaire et réclame un prix Nobel. En termes d'ego, ça se pose là. Le 3 janvier 1957, son premier patient se prénomme Oleg Naboulena. C'est un jeune homme d'une douzaine d'années, natif de Minsk, la capitale de l'actuelle Biélorussie. Victime d'un traumatisme crânien suite à des coups et blessures provoqués par la violence de son propre père, Oleg est inclus dans l'étude par le biais de sa mère, qui bien évidemment ne se doute pas de ce que mijote le médecin.
Prossoff est très précautionneux et décrit son étude dans un carnet de bord, pareil, dévoilé seulement en 2013. Les premières impulsions qu'il envoie au jeune homme sont de faible intensité et ne semblent pas avoir le moindre effet. Oleg est d'ailleurs complètement conscient et dira au médecin qu'il n'a rien ressenti. Progressivement, Prossoff va alors augmenter l'intensité des impulsions électromagnétiques, ce qui cause tout d'abord de simples rictus à son cobaye avant d'entraîner chez lui des convulsions. Oleg apparaît ensuite dans un état léthargique, comme dans une transe éteinte, dira le savant. Prossoff suivra alors l'activité cérébrale du malheureux sur son électroencéphalogramme, remarquant quelques bizarreries de prime abord assez insignifiantes. Les minutes passant et l'état d'Oleg ne s'améliorant pas, il constate que ces bizarreries, ces étrangetés sont finalement assez récurrentes et forment une nouvelle sorte d'ondes qui n'ont pas encore été explorées, décrites dans le cerveau humain. Il nommera ces ondes les ondes epsilon. Puis, tel que le décrit le savant, un bip assez strident se fit entendre et cette fameuse onde cérébrale epsilon commença à s'emballer. Oleg hurla de douleur et se tourna alors vers Prossoff, le regard noir injecté de sang, avant de lui murmurer « Poisson d'avril !» Il fallait bien que je me prête à cet exercice. Désolé si vous êtes tombé dans le panneau, j'espère quand même que l'histoire vous aura un peu effrayé, aura un peu attisé quelque chose chez vous. En tout cas, ça m'a fait bien plaisir de l'écrire, d'écrire ce petit scénario. Pour la petite anecdote, Daniil Prossoff est l'anagramme de « Poisson d'avril ». Et son patient, Oleg Naboulena, n'est autre que l'anagramme de la bonne blague. Sur cette histoire bien glauque, je vous laisse méditer, je vous laisse tranquille, je vous souhaite un bon 1er avril, ou plus tard, si on est plus tard dans l'année, vous regardez un peu quand vous voulez finalement. Je vous dis à très vite pour la série de vidéos consacrée aux théories du complot, qui va parsemer votre mois d'avril de plein d'informations. Et d'ici là, dos vidania.